Europe will have to invest in its security. World history teaches us that nations that refuse to do so will not only lose their security, but eventually they will lose their economic prosperity. In the end, they will lose much-needed jobs right home. International trade and economic prosperity here in Rotterdam, but in any country, would not be possible without security. Free shipping routes, free trade, free markets, the freedom to develop new ideas, to invest and to produce, the freedom to create welfare and to create jobs. It is the responsibility of all states to defend these freedoms. I would like to wish you a wonderful Congress, a Congress where you can freely develop your ideas, invest in your relations, and exchange experiences and ambitions. So for many years to come, we can work together to secure our freedom and our welfare. And the only people who can do so rightfully are liberals. Thank you. Thank you very much, Halber, for this inspiring speech. And I think you rightly put the finger on the weak spot. We have to invest more in defense, because you can't take freedom for granted, but you can't take security for granted. So you must always, in the back of your minds, think the situation can deteriorate, so we have to be ready if something is going to happen, so we must invest in defense. And you rightly said that it has been declining. The bottom has been reached, and so we have to, all politicians and liberals have to work on augmenting the budgets for defense. I now would like very much to welcome Madame Roxanne Baldetti, the Vice President of Guatemala. Give her all a big hand. She just arrived. And Madame Roxana Baldetti will speak to us. Will speak to us in Spanish, but there will be an interpreter that will tell you all what Mrs. Baldetti is going to say to you. Thank you very much. You have the floor, Mrs. Thank Baldetti. So buenos dias a todos. Good morning. How are you? Very well. Fine. Tenemos un traductor por aquí, creo. ¿Les va a ayudar? Sí. Ok, gracias. Primero, quiero agradecer la oportunidad de estar de nuevo con ustedes. Quiero recordarles que la última reunión donde estuvimos juntos fue precisamente en Guatemala, en mi país. No sé si les quiere contar. I want to thank you all for this opportunity to be here and speak for you. And last meeting we was held in our country, Guatemala. Y quisiera hoy aprovechar la oportunidad de un tema muy importante como es el libre comercio, que es lo que hoy estamos discutiendo aquí en el seno de la Internacional Liberal. And today I would like to take this opportunity to speak about a very important issue, and that is international trade, free trade, which we are, well, the theme of this Liberal International Congress. El partido que represento y mi gobierno creemos firmemente en el libre comercio como un arma fundamental para el desarrollo, y para ello es necesario un diálogo global sobre cómo eliminar los obstáculos y las barreras que impidan el intercambio fluido comercial entre todos los países y en especialmente en este mundo globalizado. My party that I represent and my administration firmly believe in free trade as a fundamental weapon for development,
And therefore, it's necessary to have a dialogue at a global level to eliminate barriers that don't permit the fluid exchange of commerce. Por supuesto, cuando hablamos de libre comercio, no solo significa el libre tránsito de mercadería. El libre comercio significa también abrir nuestras fronteras a las personas, a los profesionales, a las ideas, para que los países nos complementemos y construyamos una plataforma estable que garantice las inversiones, que promueva el turismo, la pequeña y la mediana empresa, especialmente con los hombres y mujeres del mundo más necesitados de este mundo globalizado. Free commerce isn't only about free transit of merchandise. It also means opening the barriers and borders for persons, for people, and professionals, and the ideas. So to enable countries to complement each other and to create a firm platform that can guarantee investments, enhance tourism, and the development of small, middle, and big enterprises with all the people that really need this. En la región latinoamericana hemos impulsado múltiples iniciativas en ese sentido. Por ejemplo, la Unión Aduanera Centroamericana, somos un país de 5 países en toda la región y hemos logrado y hemos buscado que cada uno de estos países no tengan fronteras, sino que por el contrario tengamos un libre tránsito, no solo de las personas, sino que lo que en conjunto podamos comercializar de nuestras propias producciones. Aparte de eso, y recientemente, hemos creado la Alianza del Pacífico en las comunidades de Estados Unidos latinoamericanos y caribeños con el único objeto de promover la integración y el desarrollo. In the Latin American region, there has been a lot of initiative in this sense. For instance, the Central American Union of Customs. This is a recent creation of 5 countries together in which we can we have a free transit of merchandise and people. And we have also the latest creation of the Pacific Alliance and the Community of Latin American States and Caribbean with a unique goal to enhance integration and development. Asimismo, durante el año pasado, cobró vigencia el acuerdo de Asociación Centroamericana y Europa, que contempla no solo aspectos de comercio, sino que aspectos políticos, aspectos sociales, derechos humanos. Hoy, que nos reunimos en este continente, es la ocasión propicia para reafirmar esos lazos comerciales que año con año, seguramente, todos nosotros los que aquí estamos representando a los partidos liberales, tendremos que hacer que crezcan aún más. And also during this past year came into force the Association of Central America and Europe that includes not only aspects of trade, but also political aspects and social aspects and human rights. And today we're united here in this continent, and this is the perfect occasion to reaffirm our commercial ties that we all as liberals have the obligation to make grow each year more. Como liberales, que somos todos los que estamos hoy aquí, creo que somos respetuosos de los principios básicos de libre comercio y de no intervencionismo. Debemos poner sobre todo la mesa el debate de algunos temas que no pueden postergarse. El primero de ellos, la libertad de comercio sin olvidar las políticas sociales, que no nos dé miedo discutirlo, ya que mientras dejemos a un lado esta discusión, el populismo crece y nos hace un enorme daño. Crece y además hace propios estos conceptos, pero lamentablemente el populismo multiplica a los pobres y nosotros tenemos el enorme compromiso de sacar a nuestros pueblos de la pobreza y la única manera de hacerlo es hacerles entender y visualizar que el libre comercio es que los va a sacar de esa red en la que muchos los han querido mantener porque la pobreza hace más ricos a algunos, pero también hace más pobres a muchos otros. As liberals we are, I think we respect the basic principles of free trade and non-interventionism.
we should discuss some issues that cannot be postponed. The first of them is the freedom of trade. Without forgetting about the political and social issues. We shouldn't be afraid to discuss this, because as long as we don't discuss it, populism will grow, and this is dangerous, because they take our principles as being of their own, and what they do is populism increases poverty. So we have the obligation to protect the poorest people of our countries, because populism will increase richness, but also the poorness. So we have to protect them. Yo me congratulo y me da mucha tranquilidad personal saber y comprobar que no estamos solos en Centroamérica ni en Latinoamérica. Que no está sola en esta lucha, que desde hoy y durante los próximos años y días conviviremos representantes de líderes de todo el planeta que tenemos una idea en común, que compartimos ideas, el ideal de respetar el derecho humano, el de todas las vidas, pero sobre todo que respetamos el derecho de la libertad, que vamos a tratar de mejorar oportunidades para discutir un tema tan importante y mejorar lugares. Y qué mejor lugar como el de Rotterdam, uno de los puertos más grandes del mundo, cuna libre de comercio. Qué mejor lugar que los Países Bajos, en donde el comercio mismo y la globalización tuvieron su origen en siglos pasados. Creo que Latinoamérica, creo que Centroamérica tienen un aliado principal, que es precisamente Guatemala, y tienen a una vicepresidente que cree en la libertad, que lucha por la libertad, y que hoy, a pesar de sus enormes responsabilidades, hizo el tiempo para venir hasta aquí para hablar con ustedes de ese tema tan importante como es el libre comercio. Pero no quiero dejar la oportunidad de hablarles y de volver a insistir en que no le tengamos miedo a hablar del populismo y que, por el contrario, le salgamos adelante, porque mi partido, que es miembro de la institución de la Liberal Internacional, hablamos de una derecha popular que acepta las libertades, pero que no le va a permitir al populismo abarcar un centímetro más de lo que hasta la fecha ha hecho en Guatemala. Gracias por la oportunidad de comunicarme con ustedes, y creo que tenemos que hacer lazos fuertes, pero muy fuertes, para combatir ese enorme flagelo que se llama populismo y que le hace mucho daño a las libertades que todos nosotros compartimos hoy aquí. Gracias al presidente y a todos los que me hacen el favor de escucharme esta mañana, y mi enorme compromiso y la convicción de que estoy en el lugar correcto y que mi partido tomó la decisión correcta al pertenecer a la Internacional Liberal. Muchísimas gracias. Well, I will translate the last words. I'm very happy and I'm very relieved to notice that we're not alone in Central America and Latin America. Especially in Latin America and Central America, the countries can count on a reliable partner, that is Guatemala. We think this is the best place to discuss free trade. Rotterdam, with one of the biggest harbors in the world, actually the crib of the free trade. But I insist that we should discuss populism, because we won't allow, at least not in our country and in my party, populism to take more space than they already have. I want to thank. I want to also say that I think this is a very important Congress. That's why I made some time to come here and speak to you all. And I want to thank you, Mr. President, a lot for having us here, and all you for listening to me. Thank you very much. Thank you very much for the interpreter, because that's always a very difficult job. And thank you very much for your inspiring speech, Roxana.
Well, you said free trade means more than just free trade means more than just free trade. Free trade opens up countries, and tourism is possible. It battles poverty, etc. But I think that very important point in your speech was that you stood up against populism. Populism is a It's very it's growing in different countries all over the world, and we as liberals, I think we are the ones that are specially qualified to battle populism. We must not ignore it, but we are the ones who come up with solutions, and the populists don't, and that's why they, in my view, are not the right persons to have in your country, because we all have to work on solutions for our societies, and that's what liberals do. Thank you very much again for your inspiring speech. And now, I'd like to give the floor to Henriette Diabeté, grande chancelière de la Côte d'Ivoire. Et Henriette parlera en français. Et si quelqu'un aimerait avoir une traduction. Vous avez des petites machines, je pense. Oh, I have to speak in English, okay. You have these small translation things, and so you can follow Henriette's speech through your microphones. And after Henriette, Mohand Lainser will also speak, but he'll also speak in French, so don't throw away your machine after Henriette has spoken. Keep it with you, because there will be another speech in French. Henriette, you have the floor. Thank you very much. Merci beaucoup. Je vous préviens tout de suite que Henriette représente le président Alassane Draman Ouattara, qui n'a pas pu venir. Donc, chers amis, chers congressistes, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, me charge de vous transmettre ses salutations les plus chaleureuses et les plus amicales. Aujourd'hui encore, il apprécie avec la même émotion le soutien qui lui a été apporté lorsque, au moment difficile qu'a connu la Côte d'Ivoire, votre apport a été une source de motivation durant la lutte pour l'avènement de la démocratie en Côte d'Ivoire. De même, il considère comme un grand honneur la décision de l'international libéral de tenir du 17 au 21 octobre 2012, sa 58e Assemblée générale ordinaire en Côte d'Ivoire, confirmant ainsi notre retour sur la scène internationale. En son nom et au nom du gouvernement et du peuple de Côte d'Ivoire, il renouvelle ses remerciements et sa reconnaissance à l'international libéral. En ce qui concerne la rencontre de ce jour, le président Alassane Ouattara me charge de présenter ici sa profonde désolation, ses regrets de ne pas pouvoir prendre part en personne aux travaux de cette importante réunion. Il est d'autant plus désolé que le thème de cette session, à savoir amélioration du commerce mondial, est particulièrement pertinent et rencontre les préoccupations qui sont les siennes à plus d'un titre. D'abord, en tant qu'économiste, ayant toujours travaillé sur cette question. Ensuite, en tant que chef d'un État qui vient de traverser une longue et éprouvante crise et qui est à la recherche de moyens pour se reconstruire. Enfin, en tant que le président sortant de la CEDEAO, une communauté d'États africains de l'Ouest à la recherche de solutions pour intensifier sa politique d'échange
et d'intégration régionale. Cependant, malgré cette absence, son expérience aidant, le président Alassane Ouattara propose quelques orientations de recherche et évoque les actions qu'il a entreprises personnellement en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, tout d'abord, un rappel générique s'impose. C'est un fait bien connu. La part de notre continent dans le commerce mondial est marginale. De même, les échanges entre les pays africains demeurent faibles. On sait également que le commerce dans nos pays s'organise dans une longue logique de spécialisation dépendante en matières premières et autour d'un petit nombre de produits primaires vendus à l'état brut. En retour, les pays africains importent la quasi-totalité des produits manufacturés dont ils ont besoin. C'est cette situation que les observateurs expriment par la boutade bien connue « L'Afrique consomme ce qu'elle ne produit pas et elle produit ce qu'elle ne consomme pas ». On peut donc comprendre que l'amélioration du commerce mondial apparaît pour nous comme un impératif qui recouvre deux aspects essentiels. D'une part, l'intensification des relations commerciales et d'autre part, la promotion de conditions équitables pour les économies fragiles qui sont les nôtres. Mesdames et messieurs, dans ce contexte, plusieurs interrogations et questionnements méritent notre attention. Dans un souci d'équité sociale, quelles réflexions et quelles actions peuvent mener les Africains pour s'assurer que l'amélioration tant souhaitée du commerce mondial contribue à améliorer les conditions de vie des populations les plus démunies et les plus vulnérables de notre espace. Peut-on se contenter d'ouvrir le marché africain sans aider à relever le niveau de ceux qui en ont la charge? Peut-on améliorer de manière soutenue et durable le commerce mondial en l'absence d'un climat de paix et de sécurité? Quelle politique et quelle stratégie mettre en œuvre pour que l'amélioration du commerce mondial impacte positivement les actions visant à promouvoir la démocratie et les droits de l'homme? La survie et le bien-être de nos populations dépendent des réponses apportées à ces questions. Pour sa part, dans un contexte de paix retrouvée en Côte d'Ivoire, en même temps qu'il s'efforce d'obtenir des résultats substantiels dans le processus de consolidation de la paix et de la cohésion sociale, le président Alassane Ouattara a lancé un vaste programme économique marqué par des réformes et la réalisation d'infrastructures de support qui tendent en fait à améliorer l'environnement des affaires et la gouvernance en général, notamment au niveau de la sécurité, du système judiciaire, du dispositif de lutte contre la corruption et de l'administration douanière. Il est prêt à partager son expérience. En attendant, le président Alassane Ouattara formule ses vœux de parfaite réussite des assises du 59e Congrès de l'International libéral. Il espère qu'il en sortira des mesures qui, appliquées, seront propices à l'amélioration du commerce, et cela au profit de tous, afin de réaliser l'une des ambitions prioritaires du libéralisme, à savoir créer des richesses pour le plus grand nombre et pratiquer un libéralisme à visage humain. L'Afrique en général, et la Côte d'Ivoire en particulier, compte sur le réseau de l'international libéral pour que ces conditions propices au développement et à la paix deviennent une réalité pour notre continent et pour le monde.
Merci infiniment pour votre aimable attention. Je vous remercie. Merci beaucoup, Henriette. Well, it was it's evident that in her speech, Henriette told us that liberalism is a great power to better the conditions in Africa as a whole and Côte d'Ivoire as a special case. And the president is working very hard on it to better the situation. And as Henriette said, free trade is only of trade is also is marginal in Côte d'Ivoire, but just by having more trade and working on it and to better the situation, it can better the situation in Côte d'Ivoire, and liberalism will bring democracy as a result and better the situation of the inhabitants. So thank you very much encore une fois. Merci beaucoup pour votre de speech, contribution à notre congrès. Alors maintenant, je donne la parole à Monsieur Mohan Lenzer, le ministre du urban planning of Morocco. Je ne sais pas le mot pour urban planning, mais vous pouvez nous expliquer le urban planning en français. Alors, encore une fois en français, et je vous donne la parole. Merci beaucoup. Je profite de cette occasion pour adresser mes salutations à tous mes amis libéraux, à Monsieur le Président Hans et au responsable du VVD de nous avoir réunis ici à Rotterdam autour d'un thème qui est celui de Rotterdam. Effectivement, Rotterdam a vécu par le commerce, pour le commerce, et c'est une excellente chose. Permettez-moi aussi de commencer ce petit mot par une citation dont je ne pourrais pas garantir la véracité, attribuée à Victor Hugo déjà en 1849, qui aurait dit « Un jour viendra où il n'y aura plus d'autres champs de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées ». Si cette citation est vraie, ça veut dire qu'il y a déjà plus de 200 ans, on prévoyait ce que nous ferions aujourd'hui. Mais je ne peux pas garantir la citation, je le répète. Je voudrais tout simplement dire qu'effectivement, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit en matière de commerce, de liberté de commerce, d'échange, de liberté, effectivement, de circulation des biens et des services. C'est clair, c'est prouvé, c'est un vecteur essentiel pour l'amélioration des conditions de vie. C'est un levier pour les taux de croissance. Je pense que ça, personne, effectivement, ne le remet en cause. On appelle cela, d'ailleurs, mondialisation, globalisation, libre-échange. Tout cela, effectivement, permet des transferts de connaissances, permet des changements techniques, des transformations sociales et économiques, en quelque sorte, l'amélioration du niveau de vie des populations de tous les pays qui participent aux échanges. Et c'est ça le plus important. Je dois vous dire que, en ce qui concerne mon pays, le Maroc, je pense que le Maroc a eu une tradition toujours échangiste, que ce soit avec les pays au sud du Sahara, rappelez-vous les caravanes d'or, de sel, Tombouctou, etc., ou avec les pays du Nord, à cause de sa situation géographique et de sa façade maritime qui le prédestinait à s'ouvrir. Et c'est peut-être cette tradition, plus évidemment un système politique multipartite qui est assez exceptionnel dans la région, et un système également économique
libérale depuis l'indépendance qui ont fait que le Maroc a multiplié les accords de libre-échange, que ce soit avec l'Europe, avec les États-Unis d'Amérique, avec la Turquie, avec les pays du Moyen-Orient. Il y croit. Nous y croyons au Maroc. Nous croyons effectivement qu'il faut que ces échanges se développent si on veut tirer profit de toutes les avancées que connaissent les pays développés et le transfert vers les pays en développement. Mais soyons honnêtes, soyons sincères. Liberté d'échange, oui. Ouverture de commerce, oui. Circulation de biens et de services, oui. Est-ce que nous avons réellement atteint les objectifs qui sont ceux de pouvoir permettre aux pays les moins développés, aux pays pauvres, de tirer tous les bénéfices de cela? Hélas, vous savez que quand on parle d'échange et d'ouverture, on agit en partenaire. Or, il ne peut pas y avoir d'échanges égaux entre un partenaire fort et un partenaire faible. Certes, le faible profite, et nous le savons au Maroc. Nous adapter aux normes sécuritaires, aux normes sanitaires d'Europe, des États-Unis, est quelque chose qui nous a profité, quelque chose qui nous a permis d'avancer, d'améliorer. Nous en sommes fiers. Nous avons aujourd'hui une agriculture des plus modernes. Nous avons effectivement des secteurs qui sont très développés. Mais quand on voit que les pays qui doivent s'engager plus dans la solidarité avec les pays en développement commencent à remettre quelques mesures protectionnistes, commencent à dresser certaines barrières indirectes, hélas, on se demande si les principes du commerce équitable, du libre-échange sont toujours là. Je ne suis pas en train de prêcher l'utopie. Il est vrai que chaque pays a ses contraintes. Il est vrai que les pays en développement ont une grande part de responsabilité. On vient de l'entendre, les échanges intra-régionaux sont très faibles. Les améliorations ne sont pas là. Les difficultés structurelles d'intégration, d'infrastructures, de mise à niveau des normes sont là. Mais c'est ici qu'il faudrait que nous, libéraux, qu'on réfléchisse ensemble, qu'on trouve des idées novatrices, des initiatives. Comment effectivement permettre cette circulation des personnes dont vous avez parlé, madame, et vous avez parfaitement raison. On ne peut pas se contenter effectivement de parler de biens et de services sans penser aux personnes. Je voudrais également dire, et monsieur le président du VVD l'a dit, que la sécurité est importante. Mais la sécurité doit être notre affaire à tous, nord comme sud. Il est indispensable que nous nous aidions sur ce plan-là. Il est inadmissible que ce ne soit que les pays de la rive sud de la Méditerranée qui jouent ce rôle protecteur, pour eux-mêmes d'abord, pour le Nord aussi. C'est quelque chose auquel nous devons nous atteler, pas seulement sur la défensive, pas seulement pour fermer les frontières, pour aider aussi les pays émetteurs à mieux se développer et à mieux absorber un peu résoudre les problèmes. Je dis cela parce que si on se contente de parler du commerce international, de la liberté d'échange, qui est une chose à laquelle nous adhérons à 100%, il faut penser aussi à la solidarité, au principe de solidarité. Les investissements dans les pays en développement sont la deuxième phase de ce libre-échange. Il faut qu'on les encourage à y aller, non pas pour être dilapidés, non pas pour partir dans la corruption. Il faut être strict, il faut être effectivement très dur, mais pour aider ces pays à se mettre à niveau pour que le commerce international et les échanges puissent avoir un sens et non pas être seulement à sens unique. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Mohan. I think it's very good that you told us that it can't be a one-way street,
that it takes two parties equal, on an equal level, to have business with each other, and not the strong one is dictating the other country. So, and under the motto, we are having free trade, that the strong country is saying to the other country, you have to do this and you have to do that. So it's an important lesson you told us today, and I think we all have to be aware of that and keep it in our minds that, especially in the case of your country, that we have to consider this very well. Thank you very much for your contribution. And now, ladies and gentlemen, it is a pity that we have finished our speeches now, because it's so very interesting. And I think we all heard a lot of very, yeah, it goes to the heart to hear how liberalism can help countries, can help each other, can help persons to find freedom, to find free trade, to be able to live on an equal level with each other. But there is an awful lot of work to do still. And Hans van Baalen is the one who is doing that for the VVD party in the European Parliament, and he will continue this work in the European Parliament, because he is the party leader of the VVD for the next elections of the European Parliament. But we have to work, we all have to work hard. Liberalism is, in my view, the best solution to world peace, to world security, and to ban out poverty in the world. We are now, thank you very much for your listening to all the speeches, really interesting speeches. And thank you very much for the ones who helped the speech. Thank you again. Merci beaucoup. And now we have, yeah, it's very Dutch, but we have a coffee break. Thank you very much, and I do hope you have a very good Congress. Thank you very much.